France Bleu Provence. France Bleu. Lucas, ex Lucas John and the Buddies, aujourd'hui une carrière solo qui démarre. Alors vous êtes passé par Lycom, premier EP qui est sorti en septembre 2022. Lucas, à travers vos chansons, c'est quoi votre message ? En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la plupart des personnes vivent à travers le paraître, à travers le regard des autres, loin de leur cœur. Au niveau artistique, on peut le voir. Tellement d'artistes ont tendance à être validés grâce à leur forme. Et tant d'autres qui ont du mal à se préoccuper de leur image sont oubliés. Parce que nous, on oublie de regarder le cœur de l'artiste. Et je crois que globalement, on a tendance à oublier de regarder le cœur des gens qui nous entourent, en général. Je pense que c'est pas vraiment de notre faute. Je pense que c'est la faute du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais alors, si paraître bien, c'est la seule façon de se faire accepter. Alors tout le monde restera concentré sur soi, en jouant un rôle, par peur de bouger, d'agir, de faire ce que son cœur lui dira de faire, d'être soi-même. Moi, c'est un monde dans lequel je n'aimerais pas vivre, en tout cas. Est-ce que ça nous mènerait pas un peu à notre perte de se concentrer sur le regard des autres ? Est-ce que ça nous mènerait pas un peu à notre perte de tourner le dos à la lumière et de contempler notre ombre ? Alors mon message, c'est celui-là. Écoutons nos cœurs, parce qu'ils ne se trompent jamais. Ne tournons pas le dos à la lumière pour contempler notre ombre, pour vendre notre cœur contre quelques followers et quelques petits trucs comme ça sans trop d'intérêt. Battons-nous pour nos convictions, pour nos rêves. Je pense que le monde serait bien plus beau comme ça. En tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mes titres, mon EP. Le dernier opus, Lucas, qui vient de sortir là récemment, ça parle de ça en fait. Les titres parlent de ça. It is our time parle de ça. I'll be there parle de ça. I know parle de ça. Même I don't. En fait, ça veut tout simplement dire réveillons-nous, éveillons-nous, devenons réellement nous-mêmes. Ce que notre cœur nous dit, c'est ce que nous sommes. En tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre. Dans l'album qui arrive, les textes sont vraiment basés là-dessus, quoi. Parce que je pense que c'est un message important et que cette voix-là est importante à faire entendre. Et c'est surtout aussi un message qui me tient à cœur. Voilà. Merci Eric.